Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Terassia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 273, normalement, oui, c'est ça, de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Diamond normal. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, pour ma part, je vais très bien. Alors, je viens de finir de manger, c'est rien. Je vais très bien, les amis. Souvenez-vous du quoi? Alors, déjà, avant de commencer la vidéo, les amis, je pense que vous avez constaté que mon nombre d'utilisateurs a considérablement réduit. Je pense pas vous l'avoir dit la semaine dernière, mais les amis, il y a eu mon anniversaire cette semaine. Enfin, la semaine dernière, du coup, plutôt, parce que cette semaine est déjà passée. Dans lequel, en fait, tout simplement, on a. Voilà, j'ai eu, par une surprise générale, je m'y attendais pas, la Nintendo Switch OLED de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Comme quoi, je suis vraiment très surpris. Et du coup, ben, j'ai dû remettre les jeux. Enfin, j'ai redû mettre les données de sauvegarde et tout. Ça a été très stressant parce que j'ai cru que. Il y avait des choses qui ont été supprimées ou quoi que ce soit, mais non, ça va. Sur chacun des jeux, j'ai mis la cartouche de chacun des jeux. Déjà, il fallait les télécharger. Et quand le téléchargement était fini, j'ai fait chacun des jeux pour savoir ce que ça a conservé mes données de sauvegarde. Et oui, ça a conservé mes données de sauvegarde. Donc, du coup, voilà, je vous le dis. je vous le dis. Alors. Aujourd'hui, avant de continuer, c'est au niveau de l'épisode précédent, on s'était attaqué tout simplement à l'exploration de nos des zones entre guillemets dans lesquelles on va devoir finir d'explorer entre guillemets, dans lequel en fait il y a pas mal de moments où on a des gros trous, j'ai bizarre de dire ça comme ça, mais dans lequel on aura peut-être loupé des noix Korogu ou quoi que ce soit, donc on va quand même y revenir pour du coup finir hein, minimum. Et du coup, vu qu'il y a 4 épisodes cette semaine, hein, je vous précise, oui, il y aura bien alors 1, 2, 3, 4, c'est bien ça, il y aura 4 épisodes cette semaine, ce qui permettra de bien avancer. On s'était arrêté là, donc on va tout simplement aller en zigzagant, comme j'ai dit, au moins pour. Pour faire ça, sachant que le plateau de l'Anel là-bas, je l'ai même pas exploré entièrement. Bon bref, on va devoir quand même un petit peu compléter pas mal de ces trous. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais voilà quoi. C'est bizarre de dire ça comme ça parce que là, en fait, honnêtement, il faut quand même chercher si on aurait peut-être pas loupé des possibles noix Korogu. Et surtout, au moins on aura marqué la zone quoi. Voilà, au moins on aura marqué la zone. Je sais pas combien d'épisodes ça va nous prendre ici, non, précisément parce que c'est quand même une zone. Assez importante quand même mine de rien. Mais voilà donc j'avais dit que je ferais de haut en bas. Mais en fait vu la structure que c'est là actuellement, ça va être un petit peu compliqué de faire de haut en bas. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça. Mais ouais, donc ça va être un petit peu compliqué de faire de haut en bas. Il pleut. Super. Il pleut. Ok, s'il y a ça, ce n'est pas pour rien. S'il y a ça, c'est clairement pas pour rien. Ah voilà. Bah écoutez, on a notre première noix Korogu de l'épisode. Bon attendez, enfin je dis ça, mais faut que ça atteigne dans le trou. Voilà. Ce que je craignais. Allez, on a des autres essais. Quitte à activer ça en cas de. Ah bah ça marchait. Et bah voilà. Hey. Première noix Korogu de l'épisode. Non une fois tu m'as trouvé noix Korogu. Sa petite nappe vous a donné un Korogu. Ça peut faire 1000 pas contre beaucoup. Pas très bonheur. À la revoyure. Bien. Bah écoutez, au moins tant mieux. Tant mieux, ça nous fait une noix Korogu supplémentaire. Allez, maintenant on va chercher les autres, hein, évidemment. Les autres noix Korogu, alors je suis désolé. Alors par contre, j'attends un message très important. Donc il se peut que quand même je regarde de temps en temps mon téléphone, que je m'arrête de regarder de temps en temps le téléphone. C'est un message très très important. Voilà, document administratif, hein, si vous. Voilà, je vais pas aller plus dans les détails, mais. Voilà, au moins vous savez pourquoi je dis que c'est très important. Mais voilà, au moins voilà. Donc c'est pour ça qu'il se peut que je regarde beaucoup mon téléphone. Pas durant l'épisode, mais bon, ne vous inquiétez pas. Hein. Ce n'est pas dramatique non plus. Hein. On va quand même se concentrer à minimum. En fait, le souci, c'est que, étant dit. Non, c'est pas ça. J'ai eu peur. Je croyais que c'était mon truc administratif. J'allais dire, ah tiens, on parle du loup. En parlant du loup, mais non, c'est pas ça. Donc, ouais, normalement, je suis censé le recevoir d'ici maintenant et d'ici une heure. Voilà, environ. Voilà mon document, donc.
Donc voilà, d'ici maintenant à 1 heure. Attendez, enfin je dis ça, mais c'est quelle heure? Si, c'est ça. Entre maintenant et d'ici 1 heure. Normalement. Et 1h15 même précisément. Elle m'avait dit 19h15, mais. Mais elle m'a dit que ça sera plus, beaucoup plus probable vers 18h30, 18h45. Donc voilà quoi. Voilà, ça dépend de la disponibilité de la personne en fait, tout simplement. Ça dépend de la disponibilité. Oh putain, comment tu veux monter là-haut toi? Comment tu veux monter là-haut? Non mais. Ah, mais en fait, y'a rien, c'est juste des montagnes. C'est juste un endroit pour casser les couilles en fait. Y'a rien. Y'a rien, ça fait déjà 5 minutes. Y'a rien. Oh, attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Oh, what the fuck. J'ai peut-être parlé trop vite. Salut Hydra sur YouTube. Bon jeu, enfin bon visionnage de tes vidéos. Alors du coup, je rappelle qu'il faudrait une arme lourde. Est-ce qu'on en a? Et non, la réponse est non quoi. C'est bon. Oh le diamant. Alors, on va juste faire ça. On va économiser quand même un petit peu des ressources. Oh fuck you. Ah come on. Donc, comme ça, ça permettra de se recharger un petit peu. Évidemment. C'est bizarre, je sens la lune de sang, c'est chelou, non? Je sais pas. C'est peut-être moi qui hallucine. Ah non, il y en a une il n'y a pas très longtemps. C'est bizarre, je sens la lune de sang quand même. Alors c'est pas dans cette lune, ça sera certainement la nuit prochaine, mais. C'est bizarre. Je le préchote, je le pressens un petit peu. Ouais, donc là. Faut vraiment que ça se recharge vite le pouvoir de Revali. Là on est dans des circonstances un petit peu particulières. De type particulière. De type particulière. Pourquoi pas, mais ouais. Par contre, je vais juste aller là, ouais, parce qu'en fait, il faut tout explorer. Hein. Il faut tout explorer. Dites-vous qu'on a même pas fait. Oh mon dieu, on a à peine fait ça. Bon, après, peut-être l'autre côté sera un petit peu plus facile d'accès, mais là, on est vraiment dans de ces montagnes abruptes. Y'a rien là. Hein. Y'a rien. Hein. Bon, bah écoutez, on y va. Hein. Voilà, bas. Putain, j'appuie, je spam le bouton depuis tout à l'heure pour appeler Babil. Non mais ça va me faire chier. Si je confonds les deux jeux, ça va vraiment pas le faire maintenant. Ah, le problème c'est que maintenant depuis l'option de Babil, j'arrive plus à faire ça en fait, on va dire. Y a pas à dire, mais Babil c'est ultra pratique quoi. En tout cas, bon, c'est le seul pouvoir que nous ayons pour le moment, mais non, à l'heure actuelle où je vous parle. Mais bon, voilà quoi. Même si bon, on va peut-être à mon avis avoir le truc de Sidon, mais bon. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors non, c'est pas la lune de sang parce que la nuit serait peut-être un peu plus différente. Mais c'est bizarre, je pressens la lune de sang, donc je sais pas. À voir. Ouais, ça a l'air d'être un peu complexe quand même. Ah bah si, c'est la lune de sang. Ah bah voilà. Je vous l'ai dit, je la sentais. Ah évidemment il pleut. Ah mais kill yourself. Bon bah, je vous l'avais dit, je le sentais la lune de sang. C'est bizarre hein, je sentais. Bah comme quoi j'ai raison. Ah je le sentais. Je me suis dit. Mais c'est bizarre, le ciel c'est. Avec quand on passe dans le blizzard, le ciel en fait il refait une forme un peu bizarre. Donc en fait une forme très trompeuse. Une forme dans laquelle t'as pas l'habitude quoi. Par contre on en parle des. Y'a quoi là en bas? Oh my god. Stop Link. Non y'a rien. Oh là là. Je vous avoue que c'est complexe ici. Eh hey, mais what the fuck.
On n'a jamais été là. Ah! Bon, écoutez. Hein. On est sérieux, j'ai rien obtenu là dans le truc en or. J'ai obtenu les deux ombres brutes dans le même truc. Non mais c'est une blague. Oh la haine. Oh la haine. Mon dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour monter tout là-haut là? Comment tu veux monter là-haut toi? Oh! Vas-y! Vas-y, monte, 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 monte. En plus je crois qu'il va vers là, non? Il me semble, il monte vers là hein. Tu dis pas de conneries, vas-y monte. Monte, monte, monte. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça m'arrangerait qu'il vienne vers moi. Comme ça on peut monter directement. Mon dieu, ce qu'il faut pas faire pour tenter d'explorer, voir s'il n'y a pas des korogus à la con quoi. Parce que là en fait c'est plus pour savoir s'il y a des korogus en fait. Là je fais ça en fait. C'est très surprenant qu'il y ait eu la lune de sang alors que je le sentais, c'est bizarre quand même. En ce moment dans ma vie il y a beaucoup de coïncidences. Mais je le sentais, c'est bizarre, il y avait un genre de... Vous voyez comme un choc électrique. Ça fait des chocs électriques quand je sens un truc. Bah ce choc électrique, vous voyez. Mais dans le cerveau, pas sur le corps, dans le cerveau. C'est un peu bizarre mais vous expliquez mais c'est un peu... Voilà, c'est un peu bizarre. Vite, vite, vite. On a bientôt révalé. On a bientôt le truc qui va nous sauver la vie, surtout pour... C'est un mauvais jeu de mots, mais what the fuck, quoi. Parce que dans ces conditions-là, faire ça... Bah, c'est galère, tout simplement. Allez, monte. Monte. Allez, 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 stop. Ah bah, je sais même pas comment j'arrive à monter directement. Honnêtement... Ah, pourquoi par exemple il y a de la neige ici? Pour rien. Oh my god, Révali, ça serait bien qu'il s'active. Ouais. Salut Anthony sur YouTube, bon visionnage de tes vidéos. Ah! Attendez. Bah, j'essaie d'user une technique à la Skyrim. A l'époque, dans Skyrim, quand vous voulez monter, bon, il y avait la technique du cheval, mais. Il y a une autre technique aussi où en fait tu longes, en fait vous mettez à la verticale de la falaise horizontale. Ça peut je veux dire, c'est comme ça. Mais en gros du coup en fait ça vous évite de... En fait ça vous fait gagner du coup un poil d'espace dans lequel vous pouvez vous-même naviguer en fait. Ouais bon c'est un peu spécial à dire ça comme ça, mais bon vous me comprenez hein, vous êtes pas con non plus. Hein. Ou con. Ou les deux, mais voilà, si vous vous identifiez comme vous deux, mais et voilà quoi. Tech. Ah, Dankeschön, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh. Salut toi. Non, 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 m'attaque pas, ça sert à rien. Moi, je te fais pas de mal, donc tu me fais pas de mal. Je vais pas vous tuer parce que vous êtes trop mignon. Oh, t'es sérieux? Voilà. On descend. Tu veux pas descendre? Pas de soucis. Oh my fucking god. Ok, ok, ok. Il va y avoir peut-être un léger problème. C'est juste un minerai à la con là. Hein. On est d'accord. Parce qu'une korogu ça ferait pas ça. Voilà, ouais, de toute façon, il y aura rien là-haut. Là-haut, il y aura rien du tout, ça c'est sûr. Ouais. Bon, bah, on va pouvoir refermer la marche, hein. Là, ça on l'avait fait. Bon bah y'a plus rien hein. Y'a plus rien. Heureusement qu'on a de l'endurance hein. Sur ma vie
Par contre, après, on donne des récepteurs clés de cœur. On va arrêter au niveau de l'endurance parce que. On a quand même aussi besoin de vie. Oh! Excuse me! Attendez. On va faire les choses intelligemment. Voilà. Tu sais, il n'y a aucune qui tombe dans le vide. Oh my fucking god! What the fuck? Look at that! Diamond! Wow! And Ruby? Et Ambre. Eh ben dis donc, on a à boire et à manger. Oh, mais t'es mignon. Ah mais on l'a déjà fait, je crois. Pas du tout. Oh putain. Non mais vraiment. Thank you. Allez, une deuxième Nokuro au goût, elle est gratuite. Et voilà. Elle est gratuite donc quoi, on y va hein. Non dites feuille, tu vas trouver une encore au goût, ça peut être une vous avez donné un corps au goût, ça peut faire 1000 par contre beaucoup pour très bonheur, à la revoyure, à la revoyure. Ok, donc on aura exploré, donc il manquera plus que le dedans ici, on va peut-être explorer le dedans là. Et comme ça, bon, on sera tranquille. Ah, on aura la conscience tranquille. Et après ben, on pourra partir ailleurs à mon avis hein. Sachant qu'il y a le lac Piaf, il y a le. Il y a le comment ça s'appelle ? Il y a le gros, la grosse canyon, le gros canyon. Moi j'appelle ça un canyon parce que ça ressemble à un canyon. Mais la grosse crevasse là. La grosse faille, voilà, j'ai trouvé le terme. Donc ouais, voilà, il y a pas mal de choses. Par contre, c'est derrière, ok. Donc, c'est en fait en direction de là-bas. Waouh! Ouais, j'ai fait la voix de Diego d'un coup. Diego, Dingo. Oui, c'est Dingo dans le nom. My bad. Donc là, on n'a jamais été, hein, on est d'accord. Il y a possiblement des choses dans tout ça là. Hein. Ok. Voilà, on se permet, hein. Y'a vraiment rien. Y'a vraiment rien. Attendez, mais là je comprends pas. Y'a des givrock, mais je vois pas le cryorock. Si y'a un givrock là, c'est que s'il y a des givrock là, c'est à dire qu'il y a un litorock pas loin. Donc en fait y'a un litorock version glace pas loin. Mais je sais pas où il est. Zach est en train de me rendre fou. C'est que ton litorock, je sais pas où il est. Parce que s'il y a le givrock là, c'est. Enfin, s'il y a les petits litorock là. À la con là. Les cryorock là, je sais pas comment on dit. C'est à dire que logiquement, il est censé y avoir le. Le cryorock pas loin. Mais je ne le vois pas, c'est ça le problème. Peut-être quand on pourra activer le détecteur, en pire, on l'aura peut-être via le détecteur, mais. Mais c'est très spécial quand même. Normalement, on est censé quand même l'avoir vu, quoi. Non, y a rien. Y a rien du tout, hein. Je. Et si c'est pas ce côté, c'est peut-être l'autre côté, alors. Mais honnêtement, j'aurais misé une pièce là-bas. Hein. C'est ça qui est dingue. Voilà, c'est un gros terrain. Après, pour un cryorock, y a pas besoin d'un gros terrain. Un litorock, c'est pas comme un inox. Un litorock, t'as pas réellement besoin de reculer, quoi. En revanche, un litorock, un inox, oui. Ma foi, je sais pas. Partir du principe. Bon, écoutez, on va partir du principe que c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le plateau de merde. Le plateau de l'anel. On va quand même voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Et ça sera notre dernière destination. Et puis après, bah, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et comme ça, dans l'épisode prochain, bah, on pourra partir bah, pour bah, l'autre exploration. Enfin, d'autres choses. Parce qu'il y aura certainement autre chose qu'on va devoir faire. Alors on a zéro emblème du triomphe, hein. ça me fait chier par contre, je vous avoue que ça me fait chier. Mais bon, j'aimerais bien trouver des sanctuaires, mais bon, écoutez, on peut pas non plus être de partout malheureusement.
ça c'est à côté donc Oh again. Ah oui, nous sommes là. Attendez, on va pouvoir remonter à la cascade directement. Ce sera même mieux en fait. C'est l'ex. J'avais oublié cette zone. Elle est magnifique cette zone de base. Question, on s'est équipé de l'habit de... Non, c'est pas équipé de l'habit de Zora. Pour monter là. Putain, j'en ai trop. J'en ai trop. Allez. Hein. Ah! Pas comme dans Tears of the Kingdom. Hein. Ça nous monte pas directement quand on est dans la cascade directement. Wahoo! Voilà. Putain. Je m'étais mis en tête qu'on utiliserait Babil. Non mais vraiment, ça va être une horreur si je confonds les deux jeux. Ça va être une horreur les gars, si on confond les deux jeux. Enfin si je, parce que vous confondrez pas. Mais si moi je confonds les deux jeux, ça va être une horreur. Je le précise, ça va être une horreur. J'ai pas été là-bas, donc c'est là-bas que j'ai pas été. Ouais, je vous avoue que si on confond les deux jeux... Enfin, on... Je vous inclus pas dedans, mais... Voilà, comme ça, ça se rechargera un petit peu. Hein. Wouah, ce jeu est magnifique. Y a un rocher là-bas. On l'a déjà fait, le rocher là-bas. J'ai l'impression qu'il est vers là. On ira voir un petit peu ce bidule dans l'épisode prochain, d'accord, hein, avant de quitter cette zone. Allez, on monte, on monte. Là. Voilà. Là on est arrivé à l'endroit que je souhaitais. C'est pour voir si par exemple j'aurais pas oublié des choses là par exemple, vous voyez. Parce que là j'ai laissé un énorme trou. Très scandaleux. Au cas où il faudra également faire des missions de quêtes secondaires et tout, hein, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes pour ça. Je pense qu'on le fera après le troisième donjon, comme ça au moins après le troisième donjon on se fixe un petit temps, vous voyez. Ça fait ici en fait. Ok. Et là-bas, il y avait un rocher là-bas, en bas, en contrebas. Oh mais attendez, mais il y a des rochers là. Mais attendez, mais. Et enfin le Nokorogu, on l'a déjà obtenu là. Mais c'est pas ça que j'ai vu ici. Ah, c'est peut-être ça que j'ai vu, hein, au loin. Posé au milieu de nulle part. Mais non, il me semble que c'était posé vraiment au milieu de nulle part. Il me semble que c'était assez loin. Pas trop non plus, mais quand même un petit peu, quoi. Genre là. Genre ça. C'est quoi, ça? Je l'ai déjà fait? Ou pas? Genre ça, c'est posé là. Ah oui, je l'ai déjà fait. Ok. Bon, bah écoutez, vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, bah, dans l'épisode prochain, on partira tout simplement en direction. Alors, du coup, la fois prochaine, on partira logiquement. Alors, il faut également faire ces deux-là, mais ne vous inquiétez pas, ça sera fait en temps et en heure. On ira se rendre tout simplement, normalement, dans la forêt, voilà, de Damsel, là, dans le truc à la con. Donc, voilà, on fera ça dans l'épisode prochain, dans lequel on ira récupérer cette noix Korogu, hein, qu'on avait laissée. Ensuite, je pense qu'on pourra partir d'ici parce qu'on aura bah, tout fait, hein, directement. Non, du coup, bah, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Et puis après, on fera certainement celle-là de Nokorogu. On explorera un petit peu le plateau du tonnerre parce qu'on l'a pas beaucoup exploré. Bon, bref, on essaiera de trouver des choses à faire. Ne vous inquiétez pas. Allez, du coup, bah, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve, du coup, bah, pour l'épisode prochain dans lequel bah, on continuera de faire. Alors, c'est ouf, c'est cette zone. Oui, on continuera de tout simplement bah, de terminer un petit peu ben, les collectibles qu'on a un petit peu laissé derrière nous. Comme ça, en même temps, on va pouvoir lever les tympans et tout. Ça sera moins bordélique sur la carte. Et du coup, ben, d'ici là, ben, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Et du coup, ben, oui, 274. Hein.